Je spoil pas, mais presque. Alors, c'est une redécouverte, parce que moi, personnellement, j'étais venue, mais j'étais petite, j'avais une dizaine d'années. Donc, c'était il y a plus de 20 ans, 25 ans, donc ça n'avait rien à voir. Et puis, au mois de décembre, c'était particulier, parce que c'était dans le cadre de l'élection de Miss France. Ça nous fait une émotion particulière de revenir ici. À chaque spectacle, tout est différent, il y a un travail de dingue. Pour l'instant, on les aime tous. On les aime tous parce qu'ils ont tous une histoire à raconter. Et franchement, en plus, je finis toujours avec la larme à l'œil. Je m'attendais absolument pas à découvrir autant d'effets spéciaux. On a des jeux de lumière, la scène qui tourne sur 360 degrés, c'est juste dingue. Une scène qui prend l'eau, c'est également dingue. Je ne spoil pas, mais presque. Oui, le son qui nous embarque, les histoires qui nous émeut. Tout ce mélange voilà, de technicité et d'humain font que le spectacle est juste magnifique. En trois mots, je dirais spectaculaire, magique et féerique. Parce qu'on voit même de la magie au Puy du Fou, ce qui est dingue. Venez, mais foncez, parce qu'on a un des plus beaux parcs au monde, ici en France.